Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce live sur Dragons and Titans, donc un MOBA disponible sur Facebook. Je suis heureux de vous retrouver en tout cas. Ça fait depuis... Alors j'ai regardé depuis septembre 2016. Et donc voilà, je suis heureux de vous retrouver pour ce live. Voilà, salut à tous ceux qui rejoignent le chat. Voilà, bien sûr. Donc voilà, alors je vais vous expliquer ce qu'est Dragons and Titans. Pour ceux qui ne le savent pas. Et je vais revenir un petit peu sur tout ce que j'ai fait entre guillemets de cette fin d'année 2016. Et là, donc... Bien sûr, on est en 2017, donc je vous dis bonne année à tous. Voilà, vu que j'ai même pas eu encore l'occasion de le dire, sur ma chaîne YouTube. Voilà, bon, j'ai quand même eu l'occasion de le dire sur Twitter. Voilà, ce qui est un minimum quand même, c'est un minimum. Donc voilà, bonne année à tous. Allez, hop, donc on va aller, alors, voilà, je vais partir direct sur le vif du sujet. Donc là voilà, aujourd'hui je fais un live d'une heure au minimum. Alors pourquoi une heure? Voilà, c'est parce que déjà de une, j'ai envie d'avancer sur la campagne du jeu. Un tout petit peu, hein, voilà. Ensuite, pourquoi une heure vraiment? Parce que sinon j'aurais pu mettre plus, voilà, honnêtement. Mais bah, voilà, j'ai un peu d'autres choses à faire aujourd'hui. Voilà. Donc c'est tout. je cherchais une troisième chose à dire, mais finalement je crois que j'ai pas de troisième chose à dire. Voilà, non. La troisième chose c'était les deux premières choses. Voilà, on va dire juste ça comme ça. Et donc voilà, alors si je peux dire une troisième chose. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Voilà, comme j'ai dit, depuis septembre dernier. Donc, ce qui remonte à plusieurs mois. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas s'il y a des petits problèmes micro, etc., etc. D'ailleurs, je tiens à le préciser. Je tiens à préciser que j'ai changé de casque. Parce que... Alors, attendez, je vais vous montrer l'ancien qui est là. Alors c'est à peu près la même marque, hein, c'est un Gamecom. Donc... Voilà, donc l'ancien que j'ai là. Voilà, voilà. Il est cassé ici, donc maintenant du coup je peux plus vraiment m'en servir. Il marche encore, mais seulement il tient plus à la tête. Donc c'est un petit peu... C'est un petit peu problématique. C'est un petit peu problématique. Alors, je pense... Après, vous donnerez votre avis pour ceux qui ont vu les... Enfin, ceux qui ont vu les anciens lives que je faisais. Mais le micro-là, de ce casque-là, de mon ancien casque, il était mieux. Donc, à voir si... à voir, mais bon, là, voilà, c'est un petit live test, un peu comme ça, à l'arrache. Mais, à voir si, par exemple... Pour écouter le son des jeux et autres, j'utilise ce casque là et ensuite pour le micro j'utilise celui-là. Ou est-ce que vous préférez ce micro là que j'ai actuellement? Et bon, je trouve moins bien, moins top. Alors attendez, je vais juste vous dire ce que c'est un petit peu. Alors mon ancien casque c'était... Alors, mon ancien casque, donc un Gamecom 788, ouais, 7.2 Dolby Technology, et celui que je porte actuellement, c'est un Gamecom 388. Voilà, il était, oula, pardon, globalement. L'ancien casque que j'ai acheté il y a quand même un paquet de temps, il coûtait, je crois,
à 60-70 euros dans ces prix-là, quoi. Et celui-là il me coûtait 5, enfin, non, aux alentours de 50-60 euros. Donc, celui que je porte actuellement. Donc, il est un peu de moins bonne qualité normalement. Hein, j'ai fait des tests, bien sûr, avant. Hein, et moi, je trouvais qu'il était de moins bonne qualité. Après, voilà, c'est à vous de donner votre avis, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis sur le chat ou sur Twitter, hashtag CrisisLive. Hein, si vous pouvez me le faire sur Twitter ou @CrisisFR. Voilà, c'est mon compte Twitter. Donc voilà. Puis bon, il m'est arrivé quelques petits pépins aussi. Par exemple, bah voilà, le disque dur qui a rendu l'âme. Voilà. Donc du coup, tout ce que j'avais a été en quelque sorte perdu. Donc voilà, c'est un peu bête, c'est un peu ballot, mais voilà, c'est malheureusement des choses qui arrivent. Et puis bon bah, donc voilà, donc n'hésitez pas à réagir sur le chat. Alors, bon là, c'est parce que c'est un live un petit peu d'une heure et bon, voilà, mais pendant que je vais jouer, jouer actuellement, et ben je ne pourrai pas vraiment voir le chat vu que je n'ai que un seul écran, ce qui est là aussi dommage, parce que l'autre écran que j'utilisais pour regarder le chat n'est pas disponible. Voilà, il a été emprunté. Donc, enfin, quelqu'un l'a emprunté. Voilà. Et donc, du coup, voilà, comme j'ai dit, je n'ai qu'un seul écran. Oh, que c'est ballot. Oh, que c'est dommage. Donc, du coup, voilà, pendant que je jouerai, je ne pourrai pas vraiment voir ce que vous dites. D'ailleurs, je me demande si je vais. Enfin, non. Je vais peut-être pas mettre un message sur l'écran lui-même. Mais. Sur le live pour dire attention, je n'ai qu'un seul écran donc je peux pas regarder le chat et jouer. Voilà, mais bon, c'est pas grave finalement, c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà. Allez hop, donc là on va partir sur Dragons and Titans. Ce qui est bien, c'est que tout à l'heure j'ai dit je voulais partir sur le vif du sujet en parlant du jeu. Et finalement, je vais même pas parler du jeu finalement. Voilà, finalement, non, non, non. Finalement, non. Ah oui, alors pour ceux qui me trouvent un peu blanc ici, il faut savoir que là-bas, ça n'a aucun rapport avec les jeux vidéo ou quoi que ce soit. C'est que voilà, j'ai. En gros, mince, comment ça s'appelle? Oui, voilà, un néon. Un néon pour. Parce que, bon, vous n'arrivez peut-être pas très bien à voir au dessus quoi que vous voyez, mais bon, c'est en petit, donc c'est normal. Vu que j'ai des terrariums et donc voilà, on a décidé de mettre un peu un néon parce que déjà pour les terrariums c'est plutôt pas mal et puis voilà, des fois c'est bien parce qu'en fait des fois même quand il fait jour il fait très sombre dans cette pièce, donc finalement mettre des néons ça peut être pas si mal. Donc voilà, donc ils ont été installés d'ailleurs récemment. Enfin, le néon, parce qu'il n'y en a qu'un seul, a été installé récemment. Donc voilà. Allez hop. Donc on va jouer, bah oui. Alors dites-moi vite fait si le son ça va, si le son du jeu n'est pas trop fort. Normalement ça devrait aller. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de lag parce que oui, j'ai toujours pas la fibre. Et ça m'exaspère. Donc là, pour la campagne solo, ça devrait pas trop être gênant. Alors. Donc là, on va faire ça. Donc j'ai fait en gros tout l'acte, enfin quasiment tout l'acte 2, hein. Voilà, vous retrouvez tout ça sur ma chaîne YouTube.
en gros. Bon, on va laisser ça comme ça, allez hop. Donc là, voilà, c'est juste des missions solo. Voilà. Ah! J'ai prévu un peu aussi de changer très prochainement ma config. Pas spécialement. Mais j'ai prévu peut-être d'attendre un an au moins pour changer un peu ce PCA et en prendre un nouveau et bien plus performant. Parce que c'est vrai que c'est pas tip top hein, cette config là. Alors c'est même pas vraiment recommandé pour faire du streaming. Parce que là il y a une belle chute de FPS alors que je suis même pas en HD. Voilà. Bon. Pour ce qui est de tout ce qui est campagne solo, bon, on peut dire que ça c'est passable. Ça peut aller. Par contre, pour tout ce qui est multijoueur, c'est un peu. C'est un peu nul. Donc, alors, j'ai précisé ce que c'est que Dragon and Titan parce que là, on va un peu, j'ai un tout petit peu galéré. Donc, il s'agit d'un MOBA qui est disponible depuis pas mal de temps, depuis 2013. Il est sorti même un peu avant Dota 2. Et donc c'est un MOBA alors, gratuit, mais voilà, il y a des choses payantes bien sûr. Hein. Voilà, bon. Voilà, dans 100 ans j'ai l'impression que c'est un peu long cette phase là. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ouais, donc c'est un MOBA qui est disponible sur Steam d'ailleurs hein. Là il n'y a pas trop de soucis. Ouais. Allez meurs quoi. Voilà. Je me soulage. Ouais bon on va se TP un peu. Donc voilà. Alors là dans cette mission là j'ai ça serait un peu dur de tout récapituler en gros parce que c'est un enfin je veux pas dire c'est compliqué mince punaise bon attendez donc je récupère un peu de PV je peux faire ça donc voilà il n'y a aucun message ça très bien nous hein. Voir quelques messages ça serait bien mais voilà. Donc c'est un jeu où est-ce que voilà on est un chevalier quoi sur un dragon donc contrôle des dragons. Les dragons ont pour chacun deux capacités. Donc pour celui-là c'est un rayon jaune. Voilà. Et une boule jaune. Voilà, donc bien évidemment ça fait tous les deux des dégâts. On peut sélectionner aussi une arme qui aura aussi deux compétences. Donc la première c'est celle-là qui fait des dégâts autour de nous. Et l'autre, alors l'autre j'ai pas encore débloqué. mais en gros c'est des flammes. En fait des petites boules de flammes qui suivent l'ennemi quoi. Tout simplement. Voilà, donc là il n'y a pas d'ulti dans ce jeu, hein. Les ultis ça n'existe pas. Ça n'existe pas les ultis. Bref, alors on va y aller quand même parce que bon, c'est pas le tout, mais. Hop. On fait éviter un peu ces. C'est rien jeu. Alors oui, alors là je suis dans la campagne solo, mais bien sûr. Il
via les parties multijoueurs, hein. Je vous ferai montrer ça tout à l'heure. C'est vrai que je puisse débloquer mes flammes. Ouais. Donc, ouais, les petites flammes. Ah, attends. Voilà. Aïe. On va se TP. On va se TP. Donc là, faut que j'abatte 4 dragons. En fait, pour ouvrir une porte. Une porte, voilà, qui se trouve par là, en fait. Attends, toi, viens là. Voilà. On va attendre que le colon soit fini. Hein. Hop. Ah oui, chose que j'ai pas précisé aussi, c'est qu'il n'y a pas d'auto-attaque dans ce jeu. Enfin, les auto-attaques, c'est notre capacité 1 du dragon. Quoi. Voilà, donc là, ça c'est fait, on veut... Bon, on n'a peut-être pas besoin de ce TP finalement. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc après, j'ai un peu plus vous expliquer la campagne solo et les menus. J'ai pas eu le temps de me pousser, quoi. On va plutôt passer par là. Allez, viens là, toi. Voilà. Hop. On fait un peu spawn ces dragons-là. Ça doit faire un peu de dégâts, normalement. Ouais, super. Donc là, on va... arriver sur un deuxième dragon. J'ai peur si tout est mieux prendre. Et on part. Allez, hop. Donc là, on est à la moitié de la mission, en gros. Pour retourner par là. Il y a un dragon de ce côté-là, bien sûr. Voilà. Un petit peu de vie, merci. Waouh. Voilà. Là, faut pas que je remeure sinon. C'est la misère. Donc là, 3 dragons sur 4.
Et puis il m'en reste encore un. Et après je pourrais donc ouvrir la porte. Qu'est-ce qui se cache derrière la porte? Mystère. Voilà. Seulement elle le sait. Allez! Voilà. Et ça, c'est fait bien mal. Ah, ben on peut pas encore TP. Dans quelques secondes. On a qu'à attendre! On a qu'à attendre! Bon, je sais que le temps, c'est de l'argent, mais voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Voilà, c'est tout. Allez, hop, qu'est-ce qui se cache derrière la porte? J'ai failli me prendre. J'ai déjà failli détruire celui-là. Là déjà il y a celui-là. Et je dois tuer une personne. Enfin, un dragon quoi. En gros. Ah voilà, donc là c'est fait. Hop, il meurt tranquillement. Voilà. Et bon bah voilà. Wouh, c'est fait. Je suis un génie. Je suis un génie, bien sûr. Je regarde vite fait le chat. Ouais, y a personne. Voilà, je suis un génie, je vous avais dit. Bref. Trêve de plaisanterie. Donc là, voilà. Voilà le menu. Vous avez pu le voir d'ailleurs au début du live. Donc là, voilà. La campagne solo est ici. Si c'est ça, c'est le tuto, en gros. Là c'est un tuto et là c'est un autre tuto. Bref. Oui, il y a deux tutos, c'est normal. Ensuite là c'est pour faire un match en MOBA, hein, voilà. Tout seul contre des bots. Là c'est en coop, donc avec des alliés joueurs contre des bots. Et là donc là bah voilà, c'est du 5v5. Pur et dur. Bref. Donc là voilà, pour ce qui concerne les dragons, alors il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Ah, voilà, on peut les voir à peu près tous. Donc je les ai tous hein, les dragons. Il n'y a pas de souci. Les armes, je les ai tous aussi. Hein, voilà. Grâce à la magie d'une chose qui s'appelle le Titan Pass. Le Titan Pass, c'est quoi? Et ben, le Titan Pass. Alors je peux pas vous faire montrer, mais. Parce qu'avant il y avait un petit truc là qui m'était le Titan Pass, qu'est-ce que c'est? Mais vu que j'ai le Titan Pass, du coup il ne le montre plus. Ce qui est logique. Donc, le Titan Pass, c'est en fait un pass qui permet d'avoir plein de choses, mais qui coûte 20 euros. Donc en gros, voilà, ça vous permet de débloquer tous les skins, tous les dragons, tous les armes, la campagne solo. Aussi parce que quand on n'a pas le Titan Pass, on peut faire uniquement les tutos et l'acte 1. Puis bien évidemment les trucs MOBA, hein, voilà, PVP, coop, etc. Mais voilà, tout ce qui est acte 2, acte 3, acte 4, les skins de dragons, d'avatar aussi. Tous les dragons, tous les armes. Bref, voilà, ça permet de débloquer tout ça. Et donc bon, c'est plutôt pas mal. Après, est-ce que ça donne un véritable avantage? Je dirais oui, parce que ça donne quand même 4 fois plus de cristaux à la fin du
In-game. Alors les cristaux, c'est quoi? C'est tout simplement la monnaie du jeu. Vous voyez que j'ai 9055 cristaux. Et à quoi ils servent? Et bien, ils servent tout simplement à acheter des dragons, des runes, des armes, enfin bref. D'ailleurs, tiens, on va acheter des dragons. On va en acheter. Ouais. Appeler un dragon, deux dragons, trois dragons. Alors, j'ai quand même deux dragons sur trois de tier 2. Hein. Ce qui est quand même un gros score. Bref, attendez. Je peux vous dire un autre truc aussi si j'arrive à trouver. Donc là, voilà, vous voyez ici des petites choses qu'on appelle des tiers en fait. Et plus le dragon a de tiers, mieux c'est. Alors quand il est de tier 1, bon, c'est voilà un dragon basique. Par contre, quand c'est un dragon de tier 4, là il a pas mal de bonus. On peut voir ça là. Donc là voilà, tier 1 basique. Tier 2, voilà, moins 5% en consommation de mana. Tier 3, donc moins 5% de consommation de mana et plus 8% d'armure. Et enfin, tier 4, bon là voilà tout ce que j'ai dit précédemment, et plus 15% de heal regen. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, c'est des petits bonus qui peuvent faire la différence dans une game finalement. Donc voilà, donc c'est pas les mêmes choses pour tous les dragons. Voilà, là c'est armure, speed, dommage. Donc là, voilà, c'est pas la même chose. Ah oui, je vous ai pas précisé. Donc on va aller là, c'est mieux. Pour faire passer un dragon de tier 1 au tier 2, il faut en fait 3 dragons. Une fois qu'on a 3 dragons, donc là je peux pas le montrer parce que j'en ai que 2 de tier 1, et ben j'en obtiens 1 de tier 2. Ouais. 3 dragons de tier 1 égale 1 dragon de tier 2. 3 dragons de tier 2 égale 1 dragon de tier 3. 3 dragons de tier 3 égale 1 dragon de tier 4. Voilà, et ainsi de suite. Et plus on monte en tier, plus sa valeur augmente dans les ventes. Là, 500 cristaux, 1500. Là, c'est 5000. Et là, c'est pas vendable. Voilà, les dragons de tier 4 sont pas vendables. Hein, ça a beaucoup trop de valeur. C'est comme un être humain. Un humain, on peut pas le vendre parce que ça a trop de valeur, finalement. Donc, le connerie que je viens de dire, mais c'est pas grave. Ne retenez pas ça. Bon, mais en même temps, c'est vrai. Un humain, ça ne se vend pas. Voilà. Voilà, donc c'est à peu près le même système. Enfin, même système pour les armes, non. Disons que là, il y a un système de forge. Il y a un système de forge, tu vois, il y a 99. Je pourrais montrer ce système de forge. Où est-ce qu'il manque? Donc là, voilà, faut, en gros, dans des games ou dans un combat, tu vois, on peut tomber sur des éléments. Et voilà, alors là j'en ai pas mal là. Hein. Donc, il y a 4 éléments différents. Donc bah, après faut compléter tout cela quoi. Il est où le tout dernier petit truc qui manque? Je suis à 99% pour cette arme. Donc à chaque fois qu'on augmente un peu, bah ça augmente un petit peu l'arme quoi. Il est où? Il est où? Il est où? Ah, bon. Je pense qu'il me manque un machin en fait. Ah si, là. Voilà. Donc là voilà, là c'est bon. Voilà. Des fois faut un peu chercher aussi hein.
On croit être à 100%, puis non, on est à 99%, il faut chercher le dernier. Le dernier qu'on loupe. Voilà, forcément. Donc là, voilà, on va refaire. Il te fait l'acte 2. Attendez, je regarde s'il n'y a pas un message sur le chat. Non, c'est bon. Donc là, ah oui, alors c'est vrai que j'allais vous expliquer un peu la campagne solo. Donc la campagne solo, elle est divisée en 4 actes. Donc là, voilà, là ça concerne plus le dragon Noxwing. Là, bon, là c'est le dragon Solreign. Ici, c'est le dragon Quetzalcoatl. Et enfin, ici, c'est le dragon Autodrake. Donc voilà, donc dans chaque acte, il y a 15 missions. Et dans une mission, on doit faire plusieurs fois la même mission, mais avec des défis. Par exemple, voilà, finir la même mission, mais en moins de 5 minutes. Et on doit aussi faire avec des changements de difficulté. Voilà. Donc en gros, on se retrouve à faire 15 fois même mission. Et c'est vrai que c'est un peu lourd, hein. Finalement, je vois là, ouais, que c'est très long. C'est assez ennuyant. C'est assez ennuyant, donc voilà. Alors, hop, on va y aller. On va y aller. Ta-da-da-da-da. On va prendre celui-là. Allez, on va prendre cette arme-là. Hein. Comme tout à l'heure. Puis hop, c'est parti. Et on va attendre que le machin... Voilà. Parce que ça fait quand même bien mal. Donc là, c'est en mode normal. Hein. Pas comme tout à l'heure, parce que c'était en... difficile, donc on mettra un petit peu moins de temps à le faire. Et c'est pas plus mal. Allez, viens. Allez. Voilà, merci. Ah, j'ai plus de mana, donc on va partir. Je manque de mana. Je manque de mana, de mana. Et je chante fou comme y'a pas. Je sais, c'est très nul, mais des fois ça va m'arriver de chanter comme ça. Allez, hop. Ah bah non, ça sert à rien de... On va plutôt prendre ces dragons là. Je sais pas si j'ai assez en mana. Ah voilà. Allez, hop, un petit épée. Donc là, on va s'occuper d'un dragon en bas. Allez, hop.
hop, allez, hop, allez, hop. Ouais, merci. Mon TP n'est pas encore disponible. Hop, 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 hop. Bon, finalement, j'ai fait tellement d'explications que j'ai l'impression que j'avancerai quasiment pas dans cette campagne solo, malheureusement. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est vrai qu'en moyenne, ça dure à peu près quoi, 10 minutes. Allez hop. Voilà. Hop. Donc là, pas un petit épée, on est à la moitié. Allez hop. Donc là, voilà, on va continuer juste tout droit. Hop. Venez, venez. Oh, je savais qu'ils allaient venir, donc... No problème. Par contre là j'ai manqué un peu de mana, donc là normalement il n'y a rien. C'est un petit peu dommage. Parce que des fois dans la campagne solo on peut trouver des coffres. Et dans un coffre bah évidemment il y a des pièces d'or, ce qui fait augmenter l'XP en fait. Aïe. On fait mal. Merci. Donc là il est up. Il m'en reste un. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Da 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 da. Alors, c'est vrai que, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas, hein, voilà, forcément. Mais, en gros, s'il y en a qui suivent, en tout cas, mon compte Twitter, ils savent donc que je fais des contributions sur jeuxvideo.com. Il me reste 10 secondes. Et donc voilà, n'hésitez pas à suivre déjà mon Twitter. Hein. Je rappelle vite mon Twitter, @chrisisfr. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Et sinon, donc, sinon, voilà, comme j'ai dit, je fais des contributions sur jeuxvideo.com. Des news, alors, principalement sur les événements e-sport. En gros. Donc. Fuck! Voilà, je vais t'avoir comme ça. Bon, des fois c'est bien de respawn. Donc voilà, donc je fais des news événements e-sport. Et donc bah voilà, je préviens que tiens, tel week-end il y a ça, tel week-end il y a ça. Et je propose maintenant un suivi des tournois grâce à Tournament.
Tournament, donc qui est en gros, je sais pas si on doit dire un site ou autre, mais c'est un site qui permet de créer des arbres de tournoi, qui permet de gérer en quelque sorte donc l'arbre du tournoi, les arbres des tournois, et en plus déployer l'arbre des tournois vers vers donc ces sites. Voilà, vos sites à vous, les blogs, etc. Enfin, on peut les mettre partout en fait, et c'est ça qui est bien, on peut les intégrer partout en fait. Et donc voilà, donc du coup, là je suis en train de voir pour les intégrer un peu dans les news de jeuxvideo.com, ce qui permettrait bah, voilà, de suivre les compétitions depuis les news de jeuxvideo.com, et ça c'est pas mal. Donc j'avais déjà testé ça un petit peu il y a longtemps, c'était en 2014 lorsque c'était la Coupe d'Europe 2014, Coupe d'Europe des jeux vidéo, oui. Donc voilà, donc j'avais testé ça, puis bon j'ai un petit peu oublié après, puis finalement voilà, avec le rachat donc, de Webedia, enfin le rachat Webedia qui a racheté Oxen, qui crée, enfin qui gère Tournament. Donc voilà, donc, j'ai mis sur Emi. Donc on avait, donc ça fait, donc j'ai mis sur Emi en 2016, ça avait, en gros, j'avais repris sur le The Summit 6, à 2 Dota 2. Et là, ce week-end, donc on a un petit peu continué. Enfin, j'ai un petit peu continué là-dessus, avec notamment du Smite et du Paladin. Voilà, hein, donc voilà, donc n'hésitez pas à dire votre avis là-dessus. Hop. Donc là, voilà, il est quelle heure, là, un petit peu. Il est quelle heure, il est 16h31, ouais, donc j'ai le temps encore de m'en faire au moins une. Au moins une, puis après, voilà, on peut partir après sur un co-op pour... Enfin, sur un coop, non, parce que bon, un coop, je vais bien laguer en fait, vu que je rappelle que j'ai pas la fibre, et donc stream sans fibre, c'est déjà compliqué, mais en plus, pas oublier que le jeu pompe un peu aussi en débit, donc forcément, le débit sature, forcément. Donc, hop, ouais, je pense que ce sera un single player que je vais faire, puis voilà, hein, quoi, puis voilà. Puis voilà. Là, ouais, ouais, donc là, il me reste en gros. Ouais, non, j'ai dit, il me reste que facile, mais non, il reste encore une étoile là à prendre. On va faire ce dragon là, ça a un petit peu changé. On va prendre la même arme parce que voilà, c'est très adapté pour cette mission. D'ailleurs, par contre, je vais changer d'avatar, tiens. Ça c'est bien plus classe. Si je suis pas classe comme ça, non mais. Donc il y a quelques Français qui jouent à ce genre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui joue. Hein, voilà, donc, c'est un peu détrôné par League of Legends et d'autres MOBA. Hein. Mais voilà, il a sa petite communauté. Hop les... Voilà. Là c'est en facile, donc là... D'ailleurs c'est que je vous aurais montré tous les niveaux de difficulté finalement. C'est pas mal hein. Que je joue des pièces, ce serait ballot. Allez, allez.
Hop là. Bon, moi je passe comme ça. Ah bah, il est touché deux fois. Celui-là par contre. Des fois ça te touche une fois, des fois deux. Mais bon, j'avais pas envie de me TP. J'avais la flemme de me TP. De me taper l'allée encore. J'avais pas envie. Ah voilà, toi t'es mort. Voilà, bon là on va faire un TP parce que ça va être plus court. Là c'est quand même un peu plus rapide hein. On traîne moins. Voilà, je viens de faire un peu un ménage. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc là, hop. Donc là il me reste encore, donc ce dragon là, il y a encore un autre dragon. Allez hop, on TP. C'est très répétitif hein, la campagne solo. Ah ouais, je commence déjà à en avoir marre. Déjà. Je préfère largement plus le multijoueur. C'est clairement plus fun. Ah, il me reste quelques secondes. Il me reste encore quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Et sur un compte à rebours, je deviens fou. Hop, plus vite. Voilà, bon bah ça y est, c'est fait en 5 minutes 20 à peu près. Bah voilà. Bon, on va se faire un petit single player. Vite fait pour vous montrer un peu comment ça se passe. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu. Puis sinon, ceux qui ont envie de le connaître, bah... Enfin, de connaître, qui ont envie d'y jouer davantage en quelque sorte, n'hésitez pas à aller le télécharger sur Steam. Il est super. On va prendre lequel? On va prendre un truc pas moche. Tiens, on va prendre celui-là. Allez hop. On va prendre celui-là.
Ah, voilà, donc. Voilà, ça se lance. Tranquillement. Donc là, voilà, alors celui-là, sa première attaque, bah voilà, c'est de lancer des petites trucs comme ça. Et sa deuxième, alors c'est des météorites. Voilà. Bon, je vais vous montrer ça. Ah, par contre, j'ai pas changé l'arme. Bon, attends, c'est pas grave. J'ai pris l'arme par défaut. Base. Voilà. Mais bon, je joue tellement bien que j'ai pas besoin de prendre une arme. Donc là, voyez mes météorites. Hop les. Je joue trop bien que j'ai pas besoin d'armes. Là, je rappelle que là c'est des bots. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Hein. Les bots ils sont un peu nouillés là-dessus. Hein. Ils sont pas très intelligents. Donc là, ouais, j'ai buté une tour. Il y a 6 tours en tout à détruire. Et ouais, c'est quand même assez différent d'un League of Legends ou d'un Dota. Pouvait aller. Au trésor. Pour dépenser un peu tous les gold que j'ai accumulé. Il y a ma barre de gold qui disparaît. Hein. Quand j'ai détruit des ennemis ou pris, je récupère des gold et ces gold sont convertis en XP. Et ça, c'est pratique. Donc là, ouais, il n'y a absolument aucune boutique dans un game. C'est un MOBA extrêmement simple. Il n'y a pas vraiment de choses compliquées. Là, si vous dites que ce MOBA-là est plus compliqué que League of Legends, je ne comprends pas. Vraiment, hein. Je ne comprendrai pas. À le détruire hein. We have lost an obelisk. Merci. Il faut les ajouter, ça donne un petit peu de la vie. Théorie.
non, non, tu ne m'auras pas. One of our obelisks is under attack. Oui, ce sera un peu gênant, donc je m'approche pas trop. Avec son poison, c'est bien gênant. Allez hop. Donc les parties sont quand même extrêmement courtes, elles durent quoi en moyenne 10 minutes. C'est pas grand chose. Ce n'est pas grand chose. J'aille un petit peu en bas. Voilà. Mais c'est pas très futile, ça cesse en cours et tout. Voilà. Je contourne un petit peu pour éviter d'être vu. Bon, de toute façon, j'ai vu ici, mais c'est pas grave. Allez, il manque encore un tout petit peu. Je peux détruire cette tourelle là en attendant. Allez hop. Pleine oiseau, tour à détruire. On va faire tomber cette tour là. An enemy obelisk has been destroyed. J'ai abattu la porte. You have lost an obelisk. Allez, dégage un petit peu les ailes. Voilà. Hop, et donc là on a plus qu'à détruire ça. Et c'est fait. Voilà, c'est fait. J'ai gagné, on ne s'y attendait pas du tout. On ne s'y attendait pas du tout, mais voilà. Bon, je blaguais bien sûr. Je blaguais un bon petit 12-0. Et voilà. Voilà les balous. En tout cas, je pense que là, on a un petit peu fait le tour. Mais... ah ouais, il est 48 quand même. 49 même. Voilà, on a débordé un petit peu. Oh, oh. C'est pas grave, et on va encore un petit peu plus déborder. Car j'ai une petite vidéo. Voilà, donc ça concerne en plus un peu ce jeu là finalement. Parce que vous savez que je joue beaucoup à Dragons and Titans, donc le jeu que je viens de vous streamer en gros.
J'ai une petite vidéo que bah, je vais passer maintenant, quoi, finalement. Je vais la passer, ouais. Je vais la passer maintenant. Et voilà, j'ai juste augmenté un petit peu le son. Parce que sinon, vous entendrez pas grand-chose. On va mettre comme ça. Je pense que ça devrait être bon. Voilà, petite vidéo. On se retrouve juste après. A tout de suite. Donc, bah voilà, il s'agit donc de Lord of Dragon, donc il s'agit en gros d'une version améliorée de Dragons and Titans. Voilà, donc un jeu avec moins de bugs, moins de problèmes. Voilà, donc ce sera free to play. Et j'ai pas plus d'informations. Voilà, je n'ai pas plus d'informations, les amis. Donc voilà, ça va sortir donc le 15 février, je crois que c'est un mercredi. Je crois que c'est un mercredi, attendez, je vais vous confirmer ça. Mais je crois que c'est un mercredi. Le 15 février. Février. Oui, c'est un mercredi. C'est un mercredi, donc voilà, je verrai ce qui va être fait. Je verrai. Pourquoi pas un stream? Bon, là, bon. Je ne sais pas du tout parce que j'en ai pas du tout parlé en fait. Donc, mais là, il faudra que je contacte un petit peu Trunks en fait. Pour un stream sur la JVTV, peut-être en Day One ou voilà, faudrait que je contacte Trunks en bénévole, bien sûr. Hein, voilà, et bon, voilà, faut que je contacte Webedia de toute façon, et on verra, on verra si ça sera oui, si ça sera non, si voilà. Et sinon, ça sera peut-être sur ma chaîne perso que je ferai un petit stream, peut-être. Voilà, ou sinon, ça sera sur ma chaîne YouTube avec des vidéos enregistrées. Hein. C'est peut-être même d'ailleurs possible que je fasse un petit peu ça si je ne peux pas le faire sur la JVTV. Donc voilà, donc on verra ça, on verra ça. On a encore un bon mois devant nous. Voilà, le 15 février, c'est dans un petit peu plus d'un mois encore. Donc voilà, on verra, on verra. Voilà, en tout cas, ça sera tout pour ce live. Merci à tous de m'avoir suivi. Il est quand même 16h53. Mais voilà, on a pris retard. Mais on termine en retard et ça, c'est formidable. Voilà, je vous aime. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ce stream. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitter. @ChrisSFR. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. À la prochaine. Bis!